ta vie est un tome, passe-passe. Ouais, à l'humanité. Oh putain, il y a 98 divisions, ça fait mal au derge ça. Par contre, il a pas beaucoup d'orgues, que du blindé face à Van Bock. Oh putain, Joukov et Van Bock sur le champ de bataille. Ah, la Germanie est en train de m'écraser. En termes de TC, on a encore limite quoi. Bah, le jeu, j'ai appris 17 000 pertes, putain. Une bah, attaque, c'est et normal, je mec. Ah, mais t'avais 11 pas aussi. Nucléaire, ouais, oui, c'est normal. Je te conçois, je conçois, je comprends. Tu me conçois? Non, mais je vais te concevoir, ma femme. Oh, il y a même de la montagne bulgare. Putain, en Inde, c'est encore plus multiculturel que ça ne l'est vraiment. Ils ont pris les fonds de tiroir, quoi. Pour défendre comme ils peuvent le tas de merde, le ragoût, là. L'espèce de peuple de curry. C'est raciste, quand même. Hein. Oui. Plutôt, ouais. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Perso, ça me dérange pas. Qui ça dérange, le racisme, honnêtement? Les racisés, je pense. Ouais, c'est ça. Allez, je tente une attaque ailleurs. Bon, les... ça y est, hein, ils reprennent du poil de la bête, les Brésiliens qui étaient encore expéditionnaires, là. Ah, ils sont en train de mourir de faim. Ils ont reçu les cagettes. Et si à Bombette arrive à passer, putain, tu peux lui massacrer des avions. C'est vrai que... Sadi va se replier sur Solapour. Bombette, par contre, c'est que 2,5. C'est quoi, Bombay, comme province? Ah ouais, c'est de la montagne. Ah non, c'est pas de la montagne, c'est de la ville. Terrain urbain, Bombay, d'accord. Il a retiré ses avions. Ah, ils attaquent maintenant. Ah d'accord, l'attaque était prévue à 6h. Bah pourquoi vous y allez pas? Si c'est bon. Alors. C'est des créoles, ils prennent le temps. Alors, c'est sous commandement bulgare. Non, c'est sous commandement hongrois. Le général Ezeli. Putain, c'est incompétent. Enfin bref. C'est un incompétent. Je cherche pas. Il passera pas. Mais non, bien essayé, bonhomme. Trop de milices. Général Troscott face au général Anami. Voilà, il s'est fait empaler gentiment, joyeusement, dans la gaieté, la bonne humeur. Et dans les poils de bite. C'est tous quand même. Tu es affreux. Oui. Flippant aussi. On devrait t'enfermer. Ah, je suis enfermé. Pas dans ta chambre, une star. Qui te dit que je ne suis pas dans ta... Mais qui te dit que je ne suis pas dans ton intestin? Oui, ben, tu serais donc un de ces fameux... Je suis une bactérie. Mon nom est Tenia. Je rentre en toi. Ah, les pauvres divisions italiennes qui viennent d'arriver, qui sont massacrées par l'armée américaine. Et Tom Sawyer. Bon, alors, putain, les deux divs de en train de violer du hongrois. Oh, les deux divs de montagne bulgare face à 15 blindés, elles ont pas fait les marioles. Hein. C'est pas toi en face aussi, hein. Ouais, mais là, tu vas couper le sud, tu vas tout lui bouffer. Ouais, c'est l'objectif. Si, bon, il va redéployer, mais. Fais gaffe à la contre-attaque. Hein. Ça sera déjà le sud de l'Inde qui sera complètement bloqué. D'ailleurs, fais gaffe à Antanapour. Hein. Ouais. Au Cucuta. Oh, bon, d'accord, allez, Prout. Les sœurs Schmitt. On va combattre un peu là. Surtout que c'est le japonais en face. Coucou, ouais, coucou. Fais gaffe là, t'as des intercepteurs, des fighters qui commencent à tirer la gueule. Ouais, oui, c'est pour ça que je les virer complètement. Ouais, oui, ils sont pris cher. Mais pourquoi ils sont parpillés comme tout le monde? Bande de chiennes. Voilà, bon, tu vois, j'arrive à enfin lancer des attaques à l'infanterie, donc je suis en train d'économiser l'essence. Les fameuses attaques de viande qui vient s'écraser contre le mur de char allemand. Non, il y a pas de char là, j'attaque que du mignon. Bombay, j'y suis dans une semaine. Pendant que le général Gomez des Montalbanes du Panama est en train de préparer une contre-attaque sur Cucuta. Putain, Zitomir, il a déjà repris toute son infrastructure. Je suis pas content là. Balancez-moi des V2. Oh, mais le nombre de TAC qui volent au-dessus de l'Inde, c'est impressionnant quoi. Ouais. Il perd de l'orgue, il perd 10 000 d'orgue à chaque fois quoi. Là où il peut pas avancer tranquillement. Bah, c'est ce qu'on veut. C'est vrai. Ouais, c'est clair, c'est l'objectif. Ah, tiens, c'est bon, DSS. TSS avec artillerie. Tiens, c'est bizarre ça, mettre des braves gens. Ouais. Oh, il y a même un panthère qui vient d'arriver. Qui vont aider la veuve et l'orphelin. Ah tiens, Coronstein, ça y est, il s'est aperçu que j'étais en train de le taquer. Bah, du coup, je vais m'en aller. Ça va leur faire mal. Allez, on arrête. Je me demande comment ça se passe des Allemands en Amazonie. Ça doit être rigolo, tiens. Avec leurs vieux uniformes des coloniaux allemands des années avant la Première Guerre mondiale. Je me bats pas dans l'urbain, donc... Bah si, à Bombay, à moins que tu te battes pas, on va Bombay. Ah si, Bombay, le combat vient de commencer. Donc c'est certainement là que t'as pris. Il va vite se terminer. Parce que chez moi, t'inquiète pas du combat. Ouais, putain, mais j'ai un général aérien, il est pas beau. Ah bah tiens, Patton est là-bas en plus. Ouais. Ah bah tiens, bah c'est Asleep là, qui a pris le grade. Bah, pourquoi c'est Asleep? Il est nul Asleep. Avant que tu l'up, lui, il est skill 3. Profites-en, hein. Un offensive et Urban Warfare, c'est pas mal. Hein. Bon, il a viré toutes ses divs du sud là, Mass. Hein. De Trivandrum, ouais. Ouais. Il va se varer du sud, il se rend compte que c'est un peu compliqué. Bixby. Mec, il est tiré d'un cartoon, quoi. Non, il était connu en plus, je crois, ouais. Le général Bixby. Je sais pas. Il a pas combattu dans les Ardennes ou je sais pas quoi, ça me dit un truc. Bah, qui n'a pas combattu dans les Ardennes? Et je n'y connais pas des masses en généraux en plus, américains. Ils étaient trop nombreux.
trop incompétent. Pas forcément, hein. Les Ricains, ils étaient plutôt compétents. Malgré ce qu'on pense. Bah, ils ont fait quand même beaucoup d'erreurs. Hein. C'est juste leurs soldats qui étaient, pas tous compétents. De toute façon, c'est des Américains, c'est... faut pas leur demander. C'est le problème de la conscription à la chaîne. Hein. Là, on a le général Mbik qui vient de gagner Hillfighter, ça c'est cool. Ils sont en train de massacrer du milicien à coup de Sherman, ça doit tellement pas être propre. Je vais mettre le major général Kennedy aérien pour transporter un TAC que je vais transformer en strat. Comme ça. Moi les strats, j'en ai construit 4. Ils sont sous le commandement du général Berzarin. Là, on peut dire clairement, ça ne rigole plus. Ça n'a jamais rigolé. Attends, quand il y a le général Margarine dans la place. C'est grand. Le fameux général Margarita, tu sais. Ce racisme anti-italien. Il mérite ces enculés de Rital. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est des fils de pute, surtout Florent Marigny. Oh putain, ça parle tellement en salle là. Il y a des trucs. Ah, la CGT de Chaumont vient nous aider. Oh les tanks. Alors là, bizarrement, dès que les tanks sont là, ça change quand même la donne. Hein. Méfie-toi parce qu'il attaque lourd. Bon, ça va, il a pas beaucoup de hard attack. Beaucoup de là, j'ai fait une attaque au port de nuit là, avec un Night Flyer, ça fait toujours du bien. Il part de Guantanamo, t'sais. On prend des prisonniers, on les balance sur les dans le port et puis il va et puis il c'est eux qui vont détruire les navires, tu vois. Nous on est comme ça, on est ricains, on innove, on est différent des autres gens. On n'a pas peur. On n'a pas peur de ces navires. Tu lui donnes du rapide. Du blindé allemand est arrivé en Inde. Allez, à l'attaque sur Nikolaïev, en avant toute. Victoire à Bombay. T'as gagné à Bombay, bah t'as trop de tanks, 18 et mais il faut ça, il y a du tank allemand qui arrive. Pour annexer l'India, il faut Calcutta, où ça? Delhi. Delhi. C'est ça. Donc ils vont aller défendre Delhi, c'est certain. Skiderabad va tomber sous peu. Ouais, mais dans tous les cas, ça reste quand même l'Indien qui doit supporter tout. C'est lui hein, qui va devoir tout faire. Hein. Donc là, ils vont devoir le perfuser. Et ils n'ont pas d'accès terrestre véritable. Hein, et ils n'ont pas non plus grand-chose à perfuser, faut pas l'oublier. Hein. D'ailleurs, selon votre intelligence, moi j'ai aucune intelligence chez lui. Il est à combien, l'Indien? Alors, l'Indien, selon notre intelligence... Et on n'en a pas chez lui. On n'en a pas non plus chez lui, voilà, comme ça c'est clair. Autre question. Ça, tu veux savoir là, crois-moi, il va y avoir quelques officiers du NKVD qui vont être dans mon bureau dans l'heure, hein. Ça va chier. La méchanceté, une star, je l'aime. C'est pas de la méchanceté. Parfait, dommage, j'ai tous mes sous-marins. Il est Voglad. T'as chopé des trucs italiens. Ouais. Ah, c'est quand même des Red Yane 2005, c'est pas souvent que tu les vois sortis en game multi. Si tu veux reposer des bases aériennes, tu peux terminer celle de Bombay en posant 3 autres. Non, je peux pas, parce que les bases aériennes, je les ai usées pour chez moi. Putain, il a quand même 31 escadrilles hein, encore face à moi. Hein. Beaucoup de mignons. Si t'as besoin de nav, tu peux récupérer tous ceux qui sont à Candy. Mais dis-toi que t'auras toujours une grosse base aérienne d'heure complètement à 10 qui sera à Panji, sur Panji. 50 d'Afra et 10 de base aérienne, ça va vraiment être bien ça. J'ai déjà envoyé des avions dessus avec la portée de toute façon. Et là ça va bien redonner de l'orgue à tout. Annexez cet anglais s'il vous plaît. Nikolaïev, merde. Mer des Caraïbes. Oh, j'ai croisé des TP italiens. Bah attends, comme quoi, hein, ces flottes d'or cubaines, tu vois, hein, on se moquait d'elles. On s'est toujours moqué de ces gens-là. Ces flottes d'or cubaines. Mais de quoi tu parles? Regardez, ça, c'est des TP. Ah, messieurs, sachez que tous mes sous-marins viennent de sortir des usines. La flotte du grand amiral Kuznetsov est en place. Je suis en train de la mettre à Mourmansk. Qui arrive au Yogolod? Qui refrog. Bon, ça va, je suis en train de l'éclater. Un TP en moins. Il était chargé? Je pense pas, mais c'est toujours un TP en moins, je prends. Les TP, ils ont pas des millions. Oula, je commence à prendre cher. Ah, et puis, mais en plus, les DD cubains sont arrivés à porter. MDR. Ok, c'est. Ouais, c'est sympa. Le général Gonzalez, tu vois là, le Allez, c'est ça, le cliché total. Parce qu'il faut bien un peu de cliché dans ce monde un peu trop. Un peu trop humaniste, je trouve. Un peu trop humaniste, c'est bien le mot. Top, ils sont où tes subs? À Mourmansk? Ouais, ils sont Oui. Ah oui. Combien? 18? 18. La vie est belle. De toute façon, mais. Oh putain, j'ai pris 100 000 pertes. Mes tanks vont à 7 km/h, donc ça devrait aller. La victoire ne viendra pas de chez moi pour l'instant. Hein. Merde, j'ai pas fini mes naval doctrine. Je me disais bien aussi que j'oubliais quelque chose. Alors, une star. Oui, on va envoyer les sous-marins, mais ça va pas s'en servir. Envoyer les sous-marins. Voilà. Mais comment fait-on? Libérer les eaux. C'est pas torpiller les, c'est éprenez les. Faites sauter les convois.
Ouais, il faut une belle défense en profondeur. Hein. Mais là, ouais, à Naylor, tu vas pouvoir le wiper. Ouais, elle se fait juste, elle tente juste la contre-attaque. Continuez les assauts. Hein. Vous occupez pas du sud, hein, même s'ils sont pas là. Hein. Allez plutôt sur Trivandrum. Envoyez une unité en fait tout capée, mais utilisez pas votre cross. Ouais, continuez avec les tacs, vu qu'il a aucune base aérienne. Il va vraiment devoir subir, et ça c'est cool. Alors... j'ai des T-34 qui sont EP, mais oui, venez mes grands. On a des bons généraux, j'avais pas vu. Rideway et tout ça, putain les bêtes quoi. Ah non mais c'est pas parce qu'on a pas gagné le combat qu'ils se sont pas battus les bonhommes. Hein. Ouais, faut pas déconner. Hein, et... J'ai eu de nouveau le bug, j'ai 6 divisions motorisées qui se replient à Bezawada. Merde, il est arrivé avant toi. Non c'est bon. Ah c'est bon. C'est bon, ils ont recommencé à combattre. Oh, puis en plus ils vont gagner. Oh putain, cette chance. Ça a été de justesse. Ouais, fais gaffe là parce que du coup tu vas te faire couper. Oh non, fallait pas faire ça. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais leur dire d'y aller. Ouais, au moment où il a attaqué. Attends, il faut attaquer. Je sais pas quoi. Le 19 juin à 2h du mat, c'est bon, regarde. Ouais, j'espère. Oh, c'est bon. La vitesse. Ouais, bah excusez-moi, mais j'aime pas ce genre de frayeur. Bah, toi, il a du SS7 et toi, t'as du SS6. Ouais, il a pas les bonnes techs, il a pas les meilleures techs, ça non plus. Hein. Ouais, mais je lui fais des pertes, hein. Allez, boum. Bah, c'est normal, hein. Bah, allez, Kuznetsov, voilà, monsieur Kuznetsov. J'imagine tellement le vieux combat que ça doit être. Ils arrivent pas à se voir et tout, les sonars qui marchent. Bon, qu'est-ce que t'as contre mes sonars? Ils marchent très bien. T'as le pauvre italien là, il va perdre la dive au feu là. Alors, la division là, normalement, devrait mourir. C'est des SS, ils peuvent survivre 5 ans en mangeant du manioc. C'est bon, la division italienne est morte. Ou en mangeant des juifs. Moi je suis pas sûr, hein. C'est pas comestible le juif. Hein. c'est ce qu'ils t'ont dit à l'école, c'est ça? C'est, faut pas croire les discours de gauche. Hein. La même. 24 bombardiers d'abattus, ah, les Canadiens on fire comme d'habitude. Les Canadiens ils font pas belle figure, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Mec, moi les Canadiens ils m'ont sorti un blindé et deux motorisés. Ils sont en Colombie. Et ben ils sont bien. Hein. Ils tiennent bien les enculés. Un petit tank canadien, j'avoue que ça fait plaisir. Oh, une division du bout de tank qui est en train de t'attaquer. Oh mais c'est le Bhoutanais qui commande les divisions japonaises. Alors là je pense qu'on peut siffler, hein. Le fameux Sonal Praduka, très connu. En plus regardez la division bhoutanaise, c'est la Household, c'est les Huskars. Ils sont là, c'est ça. Household. Tu sais, c'est les divisions de garde, de vieilles gardes que tu pouvais retrouver dans Empire Total War. Ça y est, les premières milices chinoises commencent à arriver. Oh, un petit... Oh bah... Oh là, alors là elle fait prout. Ah bah normal, Navo quand même face à des bébés c'est facile. Elle a rien coulé, mais là par contre les bébés on les revoit plus jusqu'en 45. Hein. Et surtout y'a Kuznetsov qui arrive. Oh putain, s'il arrive à leur placer quelques torpilles. Putain, mec, des divisions de milices mexicaines avec le trait discipliné, je crois qu'il y a des sacrés problèmes dans le jeu quand même. Hein. C'est que j'avais jamais vu ce trait avant cette game. Hein. Je tiens quand même à rappeler que le Mexicain il a mis des tôles dans le désert, hein, parce qu'il est en mobilité, ouais. Le mec. Oh, de la division 39 et de la division 36, parfait, ça va faire d'un seul coup, ouais, 40 000 hommes à la poubelle. C'est sa troupe d'élite surtout, la 39, on n'en voit pas beaucoup chez les Japs, hein. Même ces montagnes sont en 1930. On a 3 PA qui viennent de sortir, mon petit Insta. On va très bien, les perdez pas. Non, ceux-là ils vont pas bouger, on va leur mettre un amiral, tiens. Ouais, la intrépide, le Yorkton. Le Yorkton, vous l'aviez pas perdu? Si, mais il a été refait. Ah d'accord, ah oui, vous êtes allé le repêcher quoi. C'est comme dans CWH1, vous avez envoyé en fait un porte-avions avec des grues pour le réparer directement en fait, c'est ça. C'est ça. Mais comment faites-vous? Le Yorkton a toujours survécu. Ouais, t'es un peu médisant quand même. Oh, mais comment faites-vous? Expliquez-moi. Ouais, je dis, c'est un peu de la propagande ce que tu fais, hein. Propagande communiste, nanana. Les astres à Cap Frio. Il a débarqué à Rio de Janeiro. Quoi? Mais je l'ai pas vu. Mais j'en ai marre de pas voir leur débarquement. T'as pas eu le pop-up? Non, mais je te jure que non. Mais non, mais je l'ai pas eu non plus, hein. C'est pour ça que... Putain... Je te jure mais ça me saoule, quoi. Il faut qu'ils aient Natal aussi. J'ai croisé la feuille. Oh, voilà, tiens, mes Dédés, enfin, ils vont pouvoir péter du japonais, quoi. Tiens, enculé, quoi. Puis, tiens, tes sopes de fils de pute, tu les mérites. Ah, il t'a quand même calé 7300 pertes, hein. C'est toi qui es en train de perdre. Ouh, c'est sale, hein. Bon, faut aller le dégager, là, à Rio de Janeiro. Ouais, mais faut traverser tout le truc, quoi, c'est chiant. Ah bah non, oui. Mais je vais le faire à coup de tank, mais c'est chiant, quoi. Sinon, tu rapatries des singes d'Afrique, hein, c'est statique. Natal, il débarque. C'est le japonais en plus qui débarque, mais lol, quoi. J'ai pas des À quel endroit Natal. À Natal, ils vont annexer le brésilien.
Ouais, mais là, on Oh non, mais sérieux, quoi. L'opinion publique choquée par les horreurs, plus 6% de Dissent. Putain, mais... Oh, le jeu qui nous en veut, quoi. Parce qu'à part se replier en Colombie, on peut pas faire grand-chose, là. What? Oh, ah, putain. Ça y est, là. On a perdu l'Angleterre. Ah oh, putain, c'est l'Australien qui gère là-bas. Putain, ouais, mais quel... c'est l'Australie parce que du coup, il a des, c'est lui les revendications de base. Ah ouais, on a l'Équateur avec nous. Par contre, l'Équateur, alors l'Équateur déclare la guerre à l'Allemagne, mais il s'allie pas à nous. C'est quel fils de pute. Mais... On peut pas avoir des armées équatoriennes. Oh tiens, combat, Kuznetsov, Youn. Ouais, Kuznetsov qui est en train de leur mettre une tôle. Ouais, ah bon, je prends cher quand même. Putain, le grand amiral Kuznetsov en force, monsieur. Mais ça, ce qui est impressionnant aussi avec l'allemand, c'est que le mec, il arrive en redéploiement stratégique, il a de l'or, il a moitié d'orgue, et il arrive à contrer c'est une bon, armée on va géante. Perdre le Brésil. Ah oui, bah, clairement qu'on va perdre le Brésil. Cap de Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'il se faisait intérioriser la Néo-Zélandais qui commence à sur des mecs qui prend des débarquements, ça serait vraiment pas drôle. N'hésite pas à aller chercher ses divs parce que maintenant, ils sont plus bloqués parce qu'elles étaient sous commandement anglais. Une défense qui va se passer en Colombie chez moi, ils passeront pas eux et nous, et moi je pourrais pas avancer. Oh putain, Sao Paulo et tout, quelle ville de fils de pute quoi. Putain, les Brésiliens. Mais en plus, pourquoi c'est le Chilien qui récupère Mombasa? Mais c'est quoi ce. Enfin putain. C'est parce qu'il était dessus de base. Bah, bien sûr. Mais on avait une division américaine dessus. Ouais, mais comme, comme il est là, l'ordi, vous fait chier. Ah tiens, l'allemand, tiens, dans ta gueule quoi. Putain, enfin je les trouve ces fils de pute. Voilà, pute sup quoi, vous méritez. Voilà, c'est ça qui est. À 10 contre 60, contre 42, il risque de passer quand même. Non, le problème c'est l'orgue. Non, ouais. il passera pas. Elle est en train de tomber, ils prennent des pertes monstrueuses. Là c'est le. Même si elle est équilibrée au niveau de l'organisation, c'est au niveau de la manpower pure là qui. Ah oui, là ils prennent des pertes de fou là. Ah, normal, ils sont en infériorité numérique à 1 contre 4. Et moi j'ai dû blinder. Oh, ils ont arrêté. Ouais, ils ont pris 20 000 pertes. Le nombre de blindés qui est en tout, c'est impressionnant. Bon, ils attaquent. Laisse le faire. Oh, il y a 100 palais là. Putain, 87 tacs, mais. Ça, c'est impressionnant quoi. Il n'y a pas que du tac, il y a aussi du casse. Hein. Je pars sur la nouvelle tech de réacteur nucléaire. Fais gaffe parce que maintenant c'est le Chili qui peut passer à la trappe. Hein. Ouais, il est un peu loin quand même le Chili là. Il va falloir qu'il aille le chercher. Hein. Ah, bien ils ont les Falklands. Tu me diras, c'est vrai. Ah, là, tiens. Putain, ça fait combien de temps que je cherche ces fils de pute. Ouais, par contre, la flotte, là, elle est en PLS. Hein, va falloir songer à la rentrée. Je vais la rentrer, mais le but, c'est déjà des années entières. Cucuta. Oh, j'ai perdu à Cucuta. Ah oui, c'est bon, j'ai réussi à reprendre Cucuta. Oui. Attention, tu t'es fait intercepter. Il y a la grosse flotte japonaise qui est du côté de Atu Island. Il a ramené la grosse flotte. Oh, il a pété la flotte mexicaine. Même pas de répit. Hein. C'est vraiment genre. Il est venu et il l'a wipe. C'est. Bah, il y avait que des CVL. Hein, donc les pauvres gars, ils pouvaient rien faire. Hein. Ah, mais il est arrivé. Il l'a mangé. T'es en train de perdre un. Orangbad. Ouais. Putain, mais il arrive à m'abattre des bombardiers quoi avec ses sous-marins. Mais. Même ça me respecte pas. Passe. Ah, j'y peux rien. Hein. Puis quand l'Équateur il rentre en guerre, il se met même pas avec nous. Ouais, ça c'est par contre, c'est un manque de respect flagrant. Alors que moi j'étais ami avec cet homme, je l'aimais bien. Ouais, moi je l'ai jamais trop aimé, mais bon. Ça, après c'est toi, Masmasa, qui t'aime bien vraiment. Allez, on a perdu le Brésil. Putain. Ouais, la Fighter Wing. C'est bon. Il me sert. Ouais, c'est volontaire. Il prenait plus de pertes que moi, donc j'ai laissé.